Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Carlier, je suis guide conférencier à Secret d'ici et aujourd'hui je vous propose de découvrir sur le cours Mirabeau l'un des personnages les plus importants de la Provence. J'ai nommé le roi René que vous voyez derrière moi. Alors sa tête n'est pas forcément celle du roi René, mais on en reparlera plus tard. En tous les cas, cette fontaine date du 19e siècle, alors que le roi en lui-même va vivre au 15e siècle. On le voit ici tenir dans sa main gauche une grappe de raisin, puisqu'il aurait dit aux propriétaires qui voulaient vendre leurs terres de ne les vendre que si jamais les nouveaux propriétaires y plantaient de la vigne. Et de l'autre côté, derrière son pied gauche, on remarquera quelques éléments artistiques, notamment des livres, des parchemins, une palette. Il faut savoir que le roi René était un grand mécène et que lui-même était aussi un artiste, notamment un poète. Alors cette statue du roi René, comme je vous l'ai dit, va apparaître au 19e siècle, alors que le roi a vécu au 15e. Et elle va faire deux énormes polémiques à ce moment-là. La première à cause du piédestal et la seconde à cause de la statue en elle-même. En réalité, ce qui ne va pas plaire pour les Aixois sur ce piédestal, c'est qu'il manque le titre de comte de Provence alors que nous sommes à Aix-en-Provence. En réalité, il y a une explication. Cet homme avait énormément de titres. Il était roi de Jérusalem, roi de Sicile, roi de Naples, duc d'Anjou, comte de Provence. Et forcément, quand vous êtes roi de quelque chose, on ne met pas sur la pierre que vous êtes duc ou comte, qui sont des titres trop bas dans la hiérarchie de la noblesse. Donc, sur le piédestal, n'apparaît que roi de Jérusalem et Sicile. Problème résolu. Le second souci, c'est la statue en elle-même. Lorsqu'elle va être inaugurée sur le cours Mirabeau, personne ne va reconnaître le roi René. Selon la légende, le sculpteur David d'Angers, qui travaille à Paris, est tellement surchargé de travail à cette époque qu'il va prendre une statue d'un autre roi et qu'il va graver quelques détails de la Provence, comme la couronne qu'il porte sur sa tête. Ensuite, il l'envoie à Aix en se disant probablement que comme le roi est mort depuis 4 siècles, personne ne serait capable de se rappeler de la tête qu'il avait. Manque de chance pour lui, à Aix-en-Provence, il y a plusieurs portraits du roi René et l'un des plus célèbres se trouve sur le triptyque du buisson Ardent, qui est exposé dans la cathédrale d'Aix depuis la Révolution française. Autant vous dire qu'au 19e siècle à Aix, tout le monde connaît la tête du roi René. Et c'est encore possible d'aller le voir aujourd'hui. Ici, vous voyez un personnage qui est assez élancé, charismatique, imposant. Le roi René aussi était imposant, mais dans l'autre sens. Il était ventripotent, avec le visage bouffi. Et forcément, les Aixois qui ont cet exemple dans la cathédrale ne reconnaissent pas du tout le roi René. On va même se demander s'il ne faudrait pas retirer cette statue du cours Mirabeau, ce qui ne sera pas fait, comme vous pouvez le voir, pour la simple et bonne raison que c'est à la charge de la ville d'Aix-en-Provence et que comme la statue fait 6600 kg, elle est en marbre, il serait bien trop cher de la renvoyer à Paris. Le voyage aller a déjà duré un mois d'ailleurs et il a fallu un attelage de 7 chevaux pour pouvoir l'amener ici à Aix-en-Provence. Le roi René a énormément marqué la région et son installation à Aix-en-Provence a permis à la ville de connaître un véritable âge d'or parce que qui dit cours du roi René ici à Aix-en-Provence dit richesse. Et c'est l'une des raisons pourquoi la ville au 15e siècle sera une ville influente en Provence. Mais cela depuis les comtes de Barcelone aussi qui s'y étaient déjà installés à partir du 12e siècle. Aujourd'hui, Aix-en-Provence n'est plus la capitale de la Provence depuis le 19e siècle. D'ailleurs, à peu près au même moment que la création de cette fontaine que vous avez derrière. Est-ce que c'est un moyen d'ailleurs de rappeler aux Marseillais qu'effectivement, si nous ne sommes plus la capitale de la Provence, nous sommes tout de même la ville du roi René, un peu pour pouvoir faire un pied de nez à nos amis marseillais. Alors cette rivalité entre les deux villes est assez commune, on va dire. En même temps, Marseille est une ville grecque, Aix est une ville romaine. Donc ça a commencé dès le début, mais je vous rassure, cette rivalité est généralement bon enfant. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette statue du roi René et je vous retrouve dans d'autres formats pour pouvoir parler de cette belle ville d'Aix-en-Provence qui a de nombreuses richesses à nous apporter.